Eh bien, salut tout le monde, c'est Steepcraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un quiz sur Zelda Majora's Mask. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, c'est parti. C'est un quiz qui concerne que les masques de Majora's Mask. Du coup, c'est un quiz plutôt simple, on va pas se mentir. Donc, voilà. Que permet le masque de la nuit blanche? Donc, rester éveillé, bah c'est ça déjà. Avancer discrètement jusqu'à. Ralentir le temps durant la nuit, ah, ça serait pas mal. Bon, que permet le masque d'explosion? Acheter moins cher des bombes, générer des explosions, c'est ça. Ok. Que permet la casquette de facteur? C'est fouiller dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, il y a un fragment de cœur dans les boîtes aux lettres. Enfin, dans une, enfin, dans toutes, mais tu peux en avoir qu'un. Que permet le masque de la pierre? Normalement, c'est devenir invisible. C'est ça, je... ouais. Certains ennemis, ouais, pas tous. Que permet le masque de la grande fée? Attirer les petites fées cachées dans le temple, dans les temples. C'est ça. Regagner les cœurs automatiquement. Oh, ça serait cheaté, ça. Se transformer en une fée pour voler. Ce serait cool. Que permet le masque du renard? C'est faire le quiz du renard. Que permet le masque de Brême? Voilà, faire une marche, les animaux. Enfin, faire marcher les animaux ou pas. Que permet le masque du lapin? D'ailleurs, c'est grâce au masque de Brême qu'on obtient le masque de lapin. Du coup, voilà. Enfin, bref. Courir deux fois plus vite, courir trois fois plus vite ou courir quatre fois plus vite? Ah ouais, là, c'est une question un peu plus dure. Parce que je sais pas c'est combien de fois plus vite. Je dirais deux, parce que c'est ce qui me paraît le plus logique, on va dire, parce que 3 fois c'est un peu plus rapide, et 4 fois par contre c'est beaucoup trop rapide, c'est déjà sûr que c'est pas ça. Donc, que permet le masque de Don Gero? C'est le masque d'une grenouille, et c'est de parler aux grenouilles. Donc, que permet le masque des senteurs? C'est les champignons, voilà. Détecter des champignons. Que permet le masque de Romani? Alors, donc, accéder au Milk Bar, bah c'est ça. C'est en fait un bar, et on peut pas rentrer dedans si on n'a pas un masque de vache. Donc, bah. Que permet le masque du directeur du cirque? Faire marcher les animaux pas, c'est pas ça. Rendre gourmand gentil, c'est ça. Rendre les gourmands gentils. Parce que c'est le masque, justement, des gourmands qui pleurent. Et du coup, ça les rend, on va dire, gentils. Enfin, ça les rend plus tristes que gentils, mais bon. Que permet le masque de Caffey? Parler... Non, c'est... Enquêter sur la disparition de Caffey. C'est la quête, là. La quête secondaire, je pense, la plus dure de Majora's Mask. Elle est super longue. Que permet le masque des amoureux? Bah d'ailleurs, sans le masque de Caffey, on n'a pas le masque des amoureux. Séduire une personne... Apaiser les colères, c'est ça. Parler aux amoureux, lol. Que permet le masque de la vérité? C'est parler à des pierres. Mais on peut aussi parler, enfin on peut voir les pensées des animaux. Que permet le masque de Camaro? Putain, je sais plus c'est quoi ça. Faire du rap, je sais pas. Faire une danse. Ah oui, une danse compliquée. C'est vrai, c'est l'espèce de gus qui danse bizarrement. C'est un masque assez moche et la danse est assez moche aussi. Que permet le masque de la momie? Paralyser les momies, se faire passer pour une momie, c'est ça. Et après tu peux parler avec, faire peur aux gens, non? Que permet la cagoule de Garou? Ah bah ça c'est pour invoquer, développer, non? Voilà, invoquer et parler avec des, avec un ninja du clan Garou. Ouais, c'est ça. Que permet le home du capitaine? Parler avec les squelettes, c'est exactement ça. Et enfin, que permet le masque du géant? C'est de se transformer en géant lors de certains boss. Alors attends... Se transformer en géant quand on veut, non. Se transformer en géant dans un certain donjon, c'est ça. Se transformer en géant juste avant que la lune se... Ouais, c'est n'importe quoi, ça. Voilà, bah voilà, 100%. Comme l'autre jour avec le... Avec Animal Crossing. Bon, c'était un quiz plutôt simple. La seule question un peu dure, c'était celle du lapin. Voilà, là, courir deux fois plus vite. Je pensais que j'aurais faux à ça. Je pensais que c'était trois, enfin j'hésitais. Ah bah, c'est vraiment bien. Du coup,
Du coup, bah, c'est cool. Bon, après, c'est vrai que c'est pas vraiment en rapport avec le jeu, c'est surtout pour les masques. Du coup, c'est vrai que c'est un quiz vraiment simple. Du coup, bah, dites-moi si vous voulez que je fasse un vrai quiz Majora's Mask qui est en rapport avec le jeu. Parce que voilà, ça c'est trop simple. Et ben, sur ce, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner, et moi je vous dis salut.